Les arguments de mon père roulent comme les perles d'une huître. Trésor fabriqué secrètement et patiemment. Papa parle en médecin, profession qu'il a exercée durant 40 années. C'est beau, c'est précis, cela ne souffre pas la contradiction. Papa, devant un auditoire qui pourtant ne moufte pas, s'échauffe tout seul. Des index tapotent sèchement la table, des clous imaginaires s'y plantent du poing, l'air est brassé par l'éventail du savoir. Entendons-nous bien, mon père n'est en rien pédant, mais quand il discourt, son esprit semble habité par une armée de contradicteurs. Tous les complotistes, les irrationnels, les avocats du diable ligués contre lui. Don Quichotte contre les moulins de la bêtise humaine. C'est assez attendrissant. Je voudrais te donner des nouvelles de moi. Savoir si toi aussi tu ressens ça. Là, je suis de cette jeunesse qui a eu les fesses bien au chaud chez ses parents. Des murs en briques et assez de fric pour que la vie, ça soit marrant. J'ai rangé mes billes en traînant les pieds et j'ai roulé un jour entier. Là, je voulais la licorne, mais j'ai le cheval, la bascule, un moyen de transport ridicule. Bouscule restait peut-être encore minuscule, ridicule.